Ben Alex, bonjour. Bonjour à toi, man. Amuse-toi. Oui. Très fier que tu sois là, Pat. Ben, moi aussi. J'ai tout le temps de les restituer? Oui, t'as le temps. Ok, parfait. Mais il y a un petit pot sur scène aussi, on a prévu le coup. Ça, c'est micro-bâton? Ouais, c'est ça. Non, moi j'ai décidé que j'y vais pour le total, une fois, le tout pour le tout, le casque. Un vrai pot, excellent. Bonjour, Pat. J'aime tout ce que j'ai, Alex. Hey, merci d'être venu tout le monde, bonne soirée! Bonsoir, vous êtes beaucoup, hein? Ok, bonsoir, je me présente, je suis nerveux en temps. Non, je suis nerveux parce que, comme Alex vous l'a dit, il y a un pari qui a été pris, ce qui fait que je suis en première partie d'Alexandre Barrette ce soir. C'est un peu irréel, surréaliste à l'étoile 10-30. En fait, j'avais peur d'être de trop parce que moi, quand je suis à votre place, les premières parties, ça me fait vraiment suer. Non, c'est vrai, c'est genre, non, mais c'est vous prêt pour le spectacle de YouTube? Ouais! Parfait, pas de problème, ça s'en vient dans 15 minutes. Juste une petite première partie avec Okoumé! C'est ça, je me sens comme Okoumé ce soir. C'est pas son fort. Ok, tu sais, des fois, tu remarques un tic chez quelqu'un, puis une fois que tu l'as spoté, tu peux plus rien entendre de ce qu'il dit parce que tu focuses juste là-dessus. Ben, je vais faire remarquer quelque chose d'Alexandre Barrette ce soir. Non, mais dans son cas, on parle plus de tic, on parle plus de handicap. Remarquez bien les filles ce soir quand tu vas rentrer sur scène et tu vas se mettre à vous raconter des blagues, de la rigolade, de la fanfaronnerie. Arrêtez de regarder ses yeux là, qui plissent un petit peu pour faire faussement ténébreux. Puis, arrêtez de regarder le sourire qui fait juste d'un côté de la bouche comme ça pour faire comme faussement charmant. Vous baisserez votre regard, les filles, ce soir. Plus bas, les filles, plus bas. Vous baissez plus bas. OK? Et regardez bien sa démarche, ses jambes. Alexandre Barrette marche comme ceci. Moi, je suis quelqu'un de compétitif dans la vie. Manquez pas mon émission radio, là, je le fous. Comme s'il y avait 14 chevaux entre les jambes. J'ai pas vraiment de gag là-dessus, je suis juste content d'avoir fucké votre forêt parce que là, vous l'écoutez plus, vous allez juste remarquer ça. Quoi dire? Ben, je pense qu'une nouvelle étoile est née. Non, mais écoute, c'est tellement une drogue, l'humour, parce que ça s'ajoute probablement au top 3 ou top 5 de mes tracks à vie. J'ai manqué de salive à mi-chemin, je me suis permis d'aller prendre une gorgée d'eau. Et ben voilà, c'est dans ma liste de choses à faire dans la vie. Ça va être un one-man show qui s'en vient? Oui, j'ai 4 minutes de matériel, il m'en reste juste 92 à trouver. Mais it's mon fun, Montréal, moi c'est quoi? 96.9.